Mais là maintenant tout de suite, eh bien place à l'actualité de la journée. Et en l'occurrence, eh bien PlayStation a décidé de réaffirmer son ancrage au Japon en mettant en avant et en consolidant la team Asobi. Voilà, alors la team Asobi, vous les connaissez forcément, hein, si vous êtes des amoureux de jeux vidéo, ce sont les créateurs des excellents Astro Bot Rescue Mission, qui en réalité virtuelle, c'était une véritable claque, et Astro's Playroom, qui est fourni gratuitement hein, dans toutes les PlayStation 5, et qui fait une véritable démonstration des performances, capacités, fonctions de la DualSense. Voilà, et bien on sent que le potentiel d'un jeu complet, hein, sur PlayStation 5, utilisons à fond hein, la DualSense, et avec ce petit personnage, Astro, trop mignon, qui est en train de prendre du galon, eh bien, le studio, voilà, a droit à un logo à proprement parler. Regardez, le voici, il est très coloré, il rappelle un peu les coloris de jeux vidéo Flash, d'ailleurs. Et aussi, des petites références, à mon avis, à du Wipeout, il y a son compte sur les réseaux sociaux qui a été créé, bref, la team Asobi, voilà, rentre pleinement dans les PlayStation Studios, et on va en reparler. Et moi, je suis très content pour Nicolas Doucet, le Français, qui pilote cette équipe, et donc tout le reste de sa team à suivre, donc. Mais j'ai hâte d'en voir plus, manette en main, eh bien, sur les futures pérégrinations de Astro, le petit robot, d'une certaine manière.